Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour une chronique un peu plus classique puisqu'on va parler d'une console, c'est là, suspense, ouais, enfin bon, vous avez dû regarder le titre de la vidéo, il s'agit bien sûr de la GameCube, ou le GameCube hein, pour les puristes. Alors pourquoi la GameCube? Alors je viens de faire deux chroniques sur l'histoire de Nintendo, et bien tout simplement parce qu'on m'a fait remarquer à juste titre que j'étais passé assez rapidement sur cette console qui a marqué beaucoup de gamers. Donc je devais être trop pressé en écrivant ma chronique de parler de la Wii et de la Wii U. Alors la GameCube, nous sommes à la 6ème génération des consoles, celle des 128 bits. La première à avoir donné le coup d'envoi fut la Dreamcast de Sega en 1999, suivie de la PlayStation 2 de Sony en 2000, et la Xbox de Microsoft, la première console américaine depuis belle lurette, sort en 2002, quelques semaines avant la GameCube, qui sera donc la dernière de cette 6ème génération. Je parle des sorties européennes. C'est à l'E3 de 1999 qu'Howard Lincoln, le PDG de Nintendo of America, annonça que Nintendo travaillait sur une nouvelle console, une 128 bits, en collaboration avec ATI pour le côté graphique et IBM pour le microprocesseur, qui se devait être plus puissant que la PlayStation 2, et ce sera le cas, il sera d'ailleurs deux fois plus puissant que la Dreamcast. Alors le projet est nommé Project Dolphin, pour une sortie mondiale de la console fin 2000. Le nom de Dolphin ne quittera pas la GameCube puisqu'on retrouvera des dauphins dans de nombreux jeux, ainsi que les éléments de la console qui portent un nom de référence commençant par DOL. Alors Nintendo rencontre quelques difficultés techniques vis-à-vis du lecteur DVD, qui est en train de devenir la référence pour les supports, et hésitez aussi par rapport à la connexion internet, si oui ou non la GameCube sera munie d'un modem, Nintendo ayant toujours autant de réticences sur le jeu en ligne et son manque de convivialité. La GameCube avec son nom final est présentée finalement en août 2000 lors du traditionnel Nintendo Space World, anciennement appelé Shoshinkai, qui est un salon de jeux vidéo organisé chaque année par Nintendo au Japon jusqu'en 2001, lors duquel Nintendo présente ses nouvelles consoles et ses nouveaux jeux. La machine est donc officiellement présentée ainsi que diverses démos et vidéos comme Super Mario 128 et une version de Zelda. Nintendo attend beaucoup de sa nouvelle console après l'échec mitigé de la Nintendo 64 et surtout face à Sony qui continue sans cesse de prendre des parts de marché. Un concurrent est déjà mis sur la touche, Sega, qui arrête la production de la Dreamcast et se retire du marché des consoles de salon. Mais à la place, un nouveau concurrent débarque, en même temps que la GameCube, c'est la Xbox de Microsoft. Finalement, la GameCube sort au Japon en septembre 2001 et en novembre 2001 en Amérique du Nord. Pour sa sortie européenne en mai 2002, Nintendo est contraint de baisser son prix de vente de 249€ à 199€ pour s'aligner sur la PlayStation 2. 4 jeux à fort potentiel sont présentés à l'E3 2002, des licences Nintendo évidemment, puisque pas mal d'éditeurs tiers ont délaissé Nintendo depuis quelques années, même si grâce à la puissance de la GameCube, ils commencent à revenir. Ainsi, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker, Star Fox Adventures et Metroid Prime sont mis en avant à la sortie de la GameCube. Malheureusement, ces jeux arrivent au compte-gouttes, ce qui freine les ventes de la console. En fait, à la sortie de la console, c'est surtout deux jeux qui vont montrer la puissance de la machine, c'est Luigi's Mansion et Star Wars Rogue Leader. A eux seuls, ils convaincront beaucoup de joueurs d'acheter la GameCube. Alors d'un point de vue technique, la GameCube est assez innovante de par son design, un cube. D'abord indigo, puis cette couleur jugée trop enfantine par certains changera, toutes les couleurs y passeront, hein, du vert, cuivre, blanc cristal, suivant souvent le jeu vendu en bundle sur la console. On a aussi une anse pour le transport, j'ai pas trouvé sur internet une seule explication ou un intérêt à cette poignée. Nintendo ayant fait l'impasse sur le support CD, la GameCube utilisera un support de stockage unique nommé Nintendo GameCube Optical Disc, créé en collaboration avec Matsushita. Il s'agira donc d'un mini DVD de 8 cm de diamètre, soit 1,5 Go de stockage. Toujours pour éviter le piratage et les temps de chargement, la hantise depuis des années chez Nintendo. Pour ce qui est de la manette, elle est aussi innovante. Elle a été dessinée par Shigeru Miyamoto. Chaque bouton est différent, avec deux sticks analogiques, deux gros boutons au-dessus et la fameuse croix directionnelle. Alors une version sans fil sortira en 2002, la Wavebird, avec une autonomie convaincante. Malheureusement, beaucoup de joueurs se plaindront de la mauvaise qualité de la manette. À peine l'a-t-on lancée deux fois contre un mur ou contre le sol, qu'elle marche plus. Bizarre. Non mais plus sérieusement, comme la console, la manette sera vendue sous différents coloris.
Mais l'intérêt majeur de la console reste bien sûr la connectivité entre la GameCube et la Game Boy Advance via un mini DVD Game Boy Player. Les cartouches de la Game Boy Advance sont insérables et jouables sur la télé, ce sera un atout important. Encore faut-il avoir les deux consoles. Grâce à un câble, on peut aussi brancher la Game Boy Advance à la GameCube, la GBA servant ainsi d'écran supplémentaire ou de manette. On peut aussi échanger des informations, transférer des parties commencées sur l'une ou sur l'autre console, si tant est qu'on possède les deux versions du jeu. Avec ses 400 MHz de processeur, Nintendo voulait une console qui soit uniquement dédiée aux jeux vidéo, alors que Sony et Xbox proposaient plus un genre de console multimédia avec la possibilité de lire des DVD. C'est ainsi que Nintendo sortit en partenariat avec Panasonic et uniquement au Japon la Q, une version spéciale de la console pour lire des DVD. Début 2003, Nintendo mit quand même sur le marché deux modems, un bas et un haut débit, pour jouer en ligne. Nintendo se refusant eux de produire des jeux en ligne, ils ne l'interdiront pas aux éditeurs tiers. C'est pourquoi la GameCube verra la possibilité de jouer au nombre incroyable de 3 jeux en ligne. Ce seront donc Phantasy Star épisode 1 et 2, puis l'épisode 3 développé par Sega, ainsi que Homeland produit par Shunsoft en 2005. Un logiciel amateur, Warpipe, permettra quand même de jouer en ligne à des jeux jouables en local comme Mario Kart Double Dash ou Kirby Air Ride. Bref, la production de la console s'arrêtera définitivement en novembre 2007. La GameCube aura été vendue à 22 millions d'exemplaires, donc un succès encore une fois mitigé malgré de très bons jeux. Il y aurait eu au total 700 jeux disponibles sur la console, un chiffre difficilement comparable aux 10 000 titres disponibles sur la PlayStation 2. Le jeu le plus vendu sur GameCube sera Super Smash Bros. Melee avec 7 millions d'unités. Le manque d'intérêt des éditeurs tiers, les licences Nintendo qui auront quand même un certain succès, le manque de jeux vendus à la sortie des consoles dans les différents pôles commerciaux Japon, Europe, Amérique, puisque aucun Mario ou Zelda n'a été prévu à la sortie de la console, ils sont venus après. L'arrivée de la 7ème génération de consoles, puisqu'en effet Nintendo a rapidement travaillé sur sa nouvelle console, la Wii, avant même de savoir si la GameCube aura du succès. Beaucoup de titres d'ailleurs seront vite reportés sur la Wii, puisque cette dernière peut lire les jeux GameCube, recevoir ses manettes et cartes mémoire. Au final, la GameCube fut un grand succès pour les fans de la firme de Kyoto, mais n'a pas su séduire de nouveaux joueurs, une nouvelle clientèle, ce que la Wii fera dès 2006 avec le succès que l'on connaît. Il était temps pour Nintendo qui commençait à accumuler les échecs commerciaux, en tout cas sur les consoles de salon, pas vraiment sur le marché des consoles portables sur lequel Nintendo reste le leader encore aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !